À la requête du parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Le lundi 24 mars 2014, à 18h, un vol à main armée a été commis au magasin Camille, situé avenue de l'Université à Ixelles. Dans la matinée, vers 10h40, un individu vient repérer les lieux. Il fait une communication téléphonique et prétend être intéressé par l'achat d'un produit. Ah oui, je vais m'entendre à ce moment. Je ne comprends pas le nom de la zone. Excusez-moi, je peux vendre votre adresse. En fin de journée, un peu avant 18h, un premier auteur entre dans le magasin. Il se place au niveau du comptoir et se fait passer pour un client. Il est rejoint par son complice qui, lui aussi, se fait passer pour un client potentiel. Et subitement, les auteurs braquent les employés, ligotent le personnel et dévalisent le magasin. Il n'y a pas de souci, il y a une alarme. Il vide entièrement les stocks qu'il place dans des sacs. À plusieurs reprises, ils sont dérangés par des clients qui pensent que le magasin est ouvert. Puis ils s'en prennent aux vitrines. Les alarmes n'ont pas l'air de les déranger outre mesure. Ils savent comment les neutraliser. Ils emportent un important butin qu'ils placent dans une camionnette. Il s'agit d'une camionnette Mercedes Sprinter de couleur blanche. Le premier auteur est un homme d'origine nord-africaine. Il est âgé de 25 à 35 ans. Il est de corpulence normale et mesure approximativement 1,70 m. Il portait une barbe et des lunettes à monture rouge. Au moment des faits, il était vêtu d'une chemise à carreaux rouge, blanc et noir, une veste matelassée noire dont l'intérieur du col est rouge et d'une casquette. Le second auteur est aussi d'origine nord-africaine et est âgé de 25 à 30 ans. Il mesure 1,80 m et est de corpulence mince. Il portait un jeans bleu clair, une veste noire à capuche, une casquette noire et des chaussures noires à semelle blanche. Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.